je vous préviens, on est très très emballé par ce match qui va commencer. Allez, vite, le spectacle maintenant. Qui va faire la différence aujourd'hui? On va voir ça tout de suite. Salut tout le monde, c'est l'heure de se retrouver pour cette affiche en direct des tribunes de San Mamés. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Et ce rendez-vous très important dans cette compétition avec cette demi-finale retour. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en prévision. Oui, un succès intéressant remporté à l'aller par l'équipe visiteuse. Il y a une avance d'un but avant le retour. Mais ce n'est pas suffisant. À ce niveau, ça ne compte presque pas. Il faut tout donner au match retour. La composition du Bayern Munich. Voilà, la composition officielle de cette équipe. Et l'arbitre intervient. Faute, coup franc pour le Bayern. Focus sur Harry Kane parce que c'est clairement le joueur, le buteur à surveiller. On le sait, son dernier geste toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition, toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. Müller. Sur d'ailleurs. Goretzka. Batistel. Il y a du soutien en attaque. Goretzka à la réception. Et le danger dans la profondeur. Ouh là, le hors-jeu dans la surface. Oui, il faut être attentif. Et oui, c'est un problème de connexion avec ses partenaires là. Est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème. Batistel. Kane. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Luis Alberto. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Kane. Kim Min-jae. Tel. Goretzka reçoit le ballon. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Ballon repris sur ce duel.
Et ça joue sur Harry Kane. Ah, peut-être l'égalisation. Et ça passe, ça rentre. Le premier but, largement mérité, parce qu'ils maîtrisent complètement leur sujet. Maintenant, c'est bon. Tu prends le but, tu l'amènes au magasin et tu l'encadres. La précision, la finesse, l'intelligence, il y a tout là. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Joshua Kimmich. Le ballon pour Goretzka. Ah, la bonne frappe. Oh là 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 là. Goal, 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 goal. Ce but qui vient de nulle part, une frappe hallucinante qui transperce les filets. Ce but te rappelle Roberto Carlos dans les années 90. Toutes les frappes venues d'ailleurs. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Et on lève la tête, là, peut-être un centre. Matteo Guendouzi. Isai. Le ballon transmis à Luis Alberto. Bonne intervention, le ballon est gagné. Et ça joue sur Harry Kane. Kane. Et oui, but! Le but du doublé, quelle performance! Avec l'instinct du buteur, la finition diabolique, c'est ça la signature d'un super joueur. Sur ce ballon, le défenseur n'a vu que le numéro dans le dos de Harry Kane. Il y a la conclusion, il y a Harry Kane. On le sait, il est très ami avec le but, à ses distances encore plus. Le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Felipe Anderson. Tel. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Isai. Felipe Anderson. Ça joue avec Felipe Anderson. Il faut centrer là-dessus. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Oh oui, Neuer pour la parade! Incroyable! Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ah, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. C'est contré. Et ça joue sur Guendouzi. La projection dans le camp de l'adversaire. Ça joue avec Felipe Anderson. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Isai. Luis Alberto. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Le ballon en retrait. Et c'est au fond. Voilà le but.
Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. Et voilà, on le dit toujours, le centre en retrait, c'est le centre idéal parce qu'il est très difficile à défendre. Et à la conclusion, il y a Immobile. On le sait, il est très ami avec le but, surtout à cette distance. Et voilà, on ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. À grosse pression, ballon perdu. Le match est interrompu, le joueur est toujours au sol et donc les soigneurs vont pouvoir intervenir. Balle à terre avec la remise en jeu de l'arbitre. Felipe Anderson. Le ballon pour Guendouzi. Eh oui, elle est bonne cette passe. Ça joue avec Felipe Anderson. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien, mais il faut aussi de l'efficacité. Davis. Sa chance, et oui, le bon réflexe. Si c'est bien frappé, c'est l'occasion de creuser un peu le score. Kimmich, c'est parti. Et le but, c'est son troisième du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Quel phénomène! Ce ralenti qui nous remonte le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. Et à la réception, on retrouve Kane en version hélicoptère. Il reprend bien le ballon. Le geste bien exécuté. Quatre buts à un, donc. Matteo Guendouzi. Le ballon transmis à Luis Alberto. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Très bonne, bien parti dans le dos. En bonne position pour frapper. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. La tranquillité, le calme, la paix, alors que tout autour c'est l'agitation, la pression, c'est très fort.
Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Mattia Zaccagni. Immobilier. C'est pour Felipe Anderson. Quelques secondes pour temporiser. Luis Alberto. Et ça sort, c'est une touche pour le Bayern. Un peu de coaching avec ce changement. Jamal Musiala, réception de Thomas Müller. Sur le côté, Musiala, il a du champ. La frappe de loin, un tir brossé et qui est finalement complètement raté. C'était bien la peine de s'appliquer, de placer son corps correctement. Le ballon passe loin du but. Matteo Guendouzi, bien défendu ça. Ouais, Moussiala, c'est bien vu la passe. Ah, la puissance était là, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça finit comme Papadopoulos. Pellegrini en direction de Luis Alberto. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Et oui, super jaillissement là, on soutient pour récupérer le ballon. Ah, c'est pas très bien défendu et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Oh, le carton rouge là, et c'est un gros coup dur pour la défense. Énorme. Tout l'équilibre de l'équipe va souffrir. Un changement à venir pour le Bayern Munich. Ah, il est mal tiré ce coup franc en plein dans le mur. La circulation du ballon pour déstabiliser la défense. Guendouzi. Bien défendu, sans faute. Luis Alberto. Et ce ballon l'a-t-il récupéré. Batistel. Mattia Zaccagni. Ouais, une bonne charge.
Et c'est pour Goretzka. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Alphonso Davies. Alphonso Davies hérite du ballon. Jamal Musiala reçoit le ballon. Harry Kane frappe. Oh, le ballon là qui est repoussé. L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune. Et le Bayern qui va faire entrer du 109 dans ce match. La Moussiala qui s'applique. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et à la réception, on retrouve Kane bien placé. Il est dans le bon tempo pour reprendre ce ballon. Et maintenant de 6-1. Zaccagni. Sikori Immobile. Matteo Guendouzi. Guendouzi. Un ballon récupéré. Attention, très bonne occasion. Attention, il y a danger là. Tranquille. Eh oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Minutes de temps additionnel. Super pressing et la récupération très haute. Oh, la frappe! Elle a frappé contrée. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Il y a du soutien là pour attaquer. Et ça y est, c'est fait pour le Bayern. Les Munichois accèdent à la finale de la compétition. Sur l'ensemble des deux matchs de cette confrontation, c'est la meilleure équipe qui l'a emporté. Offensivement, défensivement, mais aussi dans l'attitude et l'ambition. La qualification pour la finale est largement méritée. À l'image, Harry Kane, auteur d'un match impressionnant. C'est lui l'élément clé. Incroyable, fabuloso. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ?